bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul action. Ouais. Bon, normalement ça devrait être une vidéo qui devrait être assez rapide parce que là ce mois-ci je n'ai rien trouvé. Franchement j'ai été hyper. J'ai rien trouvé dans le loisir créatif. Il n'y avait aucune nouveauté, même dans les autres rayons j'ai rien trouvé de nouveau. Alors franchement non, là j'ai été déçue, mais un truc de dingue quoi. Alors j'ai trouvé quelques petits trucs quand même, mais pas. Voilà quoi. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire tiens dans un sac. Bon, un grand sac certes, mais il n'y a que la moitié quoi. Ouais, bref, on va faire vite. Allez, c'est parti. Hey, t'as vu comment je me suis changée en un claquement de doigts? Trop bien. Alors, je fais juste une petite apostrophe parce qu'en fait, comment bref, là n'est pas le sujet. En fait, je voulais juste faire une petite apostrophe parce qu'il y a des articles que j'ai achetés chez Action mais que j'ai utilisés pour des DIY et donc du coup, je devais faire une petite vidéo vite fait avant. C'est celle-là. Voilà, donc du coup je vais te montrer les petits articles que j'ai utilisés, que j'ai achetés et déjà utilisés et que je pouvais pas te montrer dans l'autre vidéo que je suis en train de faire juste après. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, bon bref, on s'en fiche. Il y a que 4 petits articles, alors on va faire ça très rapidement. Et on repassera à la suite. Alors j'en ai pris l'année dernière, oui, mais je n'en avais pas assez. Du coup j'ai repris des petites bouboules de Noël. Voilà, donc des grosses et des toutes petites rikiki. C'est des bébés boules, elles sont trop mignonnes. Donc les gros, ça étaient presque 4€, 3,98€, et elles font même pas 6 cm de diamètre, il y en a 15. Et les petites bébés là, elles étaient à 1,59€ les 24, et elles font 2,5 cm de diamètre. Voilà, couleur menthe, bien évidemment. Voilà, ouais, pour les petites boules de Noël. Les DIY de Noël. J'ai également pris un cadre photo. Donc si je dis pas de conneries, ça serait pas Audrey Hepburn? Non, c'est pas elle. Bref, on s'en fiche. Du coup, voilà, un cadre comme ça, tout argenté, pour 2,99€. Et c'est en format A4. Voilà. Mais on s'en fiche de l'image qu'il y a du fond, parce que ça va changer. C'était juste pour le cadre, moi. Donc là, j'ai pris un cadre blanc. Et le dernier article dans cette petite apostrophe... C'est une lanterne! Ouais! J'adore les lanternes, je trouve ça magnifique. J'en ai 3. C'est ma 4e. Donc je suis très contente. Voilà. Ça fait un moment que je la voyais, celle-ci, et. Putain. Elle est quand même à 6€ la lanterne, et j'ai pris le petit modèle. Donc, voilà, j'ai hésité quand même, même si je l'aime beaucoup. Elle est toute simple, archi simple, mais moi j'adore. Bon, il y a du jeu, elle est pas au top. La porte elle est un peu bancale mais c'est Action hein. Faut pas s'attendre à un miracle non plus. Donc du coup voilà, ouais, pour 5,95€, ouais, 5,95€, j'ai ma petite lanterne toute argentée et transparente. Normal. Voilà, c'était la fin de la petite apostrophe et on reprend tout de suite avec la vidéo d'origine, la vidéo normale. Voilà. Allez, je m'arrête là. On m'aurait pas coupé la parole, là, non? Hein? C'est bizarre ce qui s'est passé, là. La magie du montage, et en plus, un sapin apparaît, et disparaît, et puis réapparaît. Oh, la débile, putain. Vas-y, laisse tomber. Allez, on y go, du coup, on continue. Du coup, en tout, j'y suis allée 5 fois. Ouais, j'ai 5 tickets de caisse. Moi, j'y suis allée plus que ça, hein, bien évidemment, comme à chaque fois. Mais bien souvent, je repars les mains vides. C'est génial, surtout là, non, là putain, ce mois-ci, c'était vraiment la catastrophe. Hein. Oh, aucune nouveauté. En tout cas, chez moi, il n'y a eu aucune nouveauté. C'était n'importe quoi. Et c'était le bordel aussi. Il n'y a rien, mais c'était bordel. Waouh. Enfin bref, allez, passons. Elle est tombée, c'est pas grave. Du coup, j'ai trouvé une petite guirlande couleur menthe. Bah oui, pour aller avec mon sapin. Parce que moi, je voulais que du menthe à l'origine, mais mon sapin, bah, il fait plus de 2 mètres de haut. Tu vois la taille quand même, hein. Je suis pas très grande déjà à l'origine. Et il fait 2 mètres. Je crois qu'il fait 2 mètres 20, il me semble. Donc bref, et ben, il y a besoin de beaucoup de choses pour le décorer. Hein, et j'avais pas assez de menthe. Du coup, j'étais obligée de mettre du blanc et du bleu. Oh, c'est pas terrible. Alors du coup, ben, je me suis acheté une petite guirlande couleur menthe. Qui fait presque 3 mètres de haut. C'est marqué où? Chut, Tiki, tais-toi. Elle fait 2,70 m pour 99 centimes. C'est génial, hein? Et du coup, bah, je vais la mettre dans mon sapin. Voilà. Tadam!
Donc, bref, ça c'était la petite apostrophe. Une deuxième petite apostrophe, du coup, pour la collection de Noël. Voilà. Donc, ensuite, là j'ai répertorié tout ça. Donc, j'ai des choses pour la cuisine, enfin pour la maison. Ouais, c'est la cuisine, hein. Entre guillemets, ouais. J'ai un truc pour la déco, plusieurs choses pour la papeterie, au niveau du papeterie. Deux trucs dans le rayon de beauté. Et un truc là, maintenant, que je te montre là tout de suite maintenant. C'est pour ma coque de téléphone. J'avais dit qu'il fallait que j'en rachète une. Et bah ben, la voilà. Mais pour le Galaxy S9 là, tu vois là, je trouve rien. Si, ils font le truc avec les clapets, mais moi j'en veux pas de ça. Moi je veux juste l'arrière de la coque. Du coup j'ai trouvé que celui-ci. Il existait aussi en rose, mais moi je n'aime pas le rose. Donc j'ai pris un noir avec du doré en dessous. Mais le doré c'est pareil, c'est pas ma couleur fétiche. Du coup, et ben, il va rester dans le noir. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc la coque là, elle était à 2,99€. Et ce que j'adore, c'est que derrière, ils te font carrément peur. Il y a marqué utiliser à vos propres risques et tester avant l'utilisation. Tu dis merde. Ça fait peur, ça quand même. Hein, c'est risqué. C'est qu'une coque, merde. Bref, voilà. Pour la cuisine, j'ai trouvé un coupe-œuf. J'adore les œufs. Moi, je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œufs. J'adore ça. Et du coup, bah, ça me faisait. À chaque fois, il faut les couper à la main, les œufs durs, c'est chiant. Enfin, non, c'est pas chiant, mais c'est. Voilà. Du coup, bah, pour me faciliter la vie, et bah, j'ai trouvé un coupe-œuf. Truc qui est complètement couillon. Bref, voilà. Pour 79 centimes. C'est génial. Je peux pas te montrer le truc dans son utilisation, parce que j'ai pas fait cuire d'œuf là. Mais bref, voilà, tu vois. Tu mets ton œuf au milieu et t'appuies. Et du coup, ça te fait plein de petites. Bah, ça te coupe ton œuf en plusieurs lamelles, quoi. Tous de la même taille, ça c'est super. Voilà, pour 1,59€, et bah j'ai repris des sacs poubelles pour ma poubelle haute. Les grandes poubelles, super hautes. Et bah, leurs sacs là-bas, ils sont très bien. Donc voilà. Il y en a 20, c'est des 30. Ouais, il y en a 20, c'est des 34 litres. C'est dingue comment je suis maladroite, c'est hallucinant. Ça c'est pareil, j'en avais plus. Du papier à cuisson. Voilà, pour 82 centimes, il y a 20 feuilles. Ouais, 20 feuilles qui font 38 par 42, donc c'est des feuilles qui sont déjà prédécoupées. Donc c'est pas plus mal. Pour voilà. 1,99€, j'ai repris une petite passoire comme ça. Parce que bah, la mienne, elle avait rendu l'âme. Donc du coup, j'en ai racheté une autre. Voilà. Bon, je sais pas si on peut... placer ça dans le rayon cuisine, non, pas du tout même, mais c'est pas grave. J'ai pris des cale-portes. C'est marqué où en français? Nulle part. Bref, il y en a deux pour 1,79€, parce que nous, les portes ici, c'est de la merde, c'est de la grosse merde, on est H&M, et elles ont du mal à fermer correctement, elles s'ouvrent toutes seules. Donc du coup, il me fallait des cale-portes pour ne plus que la porte s'ouvre toute seule. Voilà, ils sont hyper lourds les machins, ils ont l'air bien. Anti-dérapant et tout. Je sais pas, ça va pas se voir là. L'éclairage il commence à être de pire en pire. La nuit tombe déjà, c'est nul. Ouais, ça a l'air d'être plutôt sympa. Ils sont lourds. On va essayer, on verra bien. Ensuite, on passe au truc pour la maison. On va dire ça comme ça, une petite déco. J'ai pris une fougère. C'est ça, c'est une fougère. Hein. Oui, pour 4€. Hein, 3,99€. Et à l'origine, attends, bouge pas. Oh la vache, il est lourd. C'était pour mettre dans mon vase. Je t'avais déjà présenté il y a un petit moment de ça. Mais Tiki, mon vilain petit oiseau, il m'avait bouffé ma plante à l'intérieur. Donc du coup, j'étais obligée de la foutre à la poubelle et d'en racheter une autre. Sauf que bah, je me suis fait encore avoir comme une couillonne. Ça rentre pas. Je suis dégoûtée. Du coup, il va falloir que j'enlève le pot en plastique, vu que c'est du polystyrène à l'intérieur. Et que j'essaye de bien de couper tout ça pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Et puis que le sable à l'intérieur puisse cacher tout le truc en polystyrène. Je sais pas si t'as compris tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Moi je me suis comprise, c'est le principal. Putain, il est vachement lourd le vase. Et tout ça vient de chez Action, hein, le vase et le sable à l'intérieur. Voilà. Alors j'essaierai de caler une petite photo si j'ai le temps de le faire entre deux. Entre le montage vidéo et puis... Enfin bref, voilà, on s'en fiche. Alors tu t'en fous peut-être, mais j'ai trouvé une super petite nappe chez Jiffy au moment du Black Friday. Et je l'ai payée que 4€.
Elle est transparente avec plein de petites plumes, toutes jolies, toutes mignonnes. Moi, ça m'a fait plein de bulles. Faut que j'arrive à les enlever, mais sinon, j'adore. Dans le rayon beauté, on va dire ça comme ça, oui. J'ai repris des petits cotons pour démaquiller. Parce que j'en avais... Oui, j'en avais, mais c'est des tout petits disques. Et puis, bah, parfois, j'aime bien prendre des plus grands. Voilà, donc là, il y en a 50 pour 92 centimes. Et voilà, aussi, j'ai pris une crème hydratante pour le visage. Parce que j'ai la peau très, très sèche, surtout en hiver. Je suis pas douillette, je suis pas catouille, je suis pas... J'ai pas d'allergie ni rien du tout, mais le froid me... Oh, c'est horrible. Faut que ça soit sur, surtout sur les joues et les mains. Il me faut une crème hydratante, sinon c'est je pèle. Et ça fait pas très joli. Et du coup, bah, j'avais plus de crème hydratante pour le visage, alors j'en ai repris une. Voilà. Nivea. C'est mieux Nivea, je préfère. C'est vrai que j'ai tout en Nivea. J'aime bien cette marque-là. Oh la na... Méchante arnaque! Il est tout petit le pot! Oh purée! Et j'ai payé ça combien? Oh! 5 euros! 4,95! Et il fait la moitié du carton, ouais! Méchante arnaque! Ah oui, d'accord, putain, j'aurais dû lire! Photo du produit est égale à la taille réelle! Tu vois là? Ouais. Ouais. Ah oh, putain, méchante arnaque. Ah, oh, je suis dégoûtée. 5 euros le truc tout petit, rikiki. Tu sens bon, moi? Normalement, Nivea, oui. Hein. Ouais. Bah, ça sent Nivea. Elles sont bon. C'est bien. C'est déjà ça. Alors, j'espère que ça fonctionne vraiment. Sinon, j'aurais l'air couille. Ah putain, méchante arnaque et... Ah, je suis dégue. Et on va finir avec le rayon papeterie. Tout ce que j'ai trouvé dans le rayon papeterie. Voilà. Alors, j'ai trouvé des petites pinces. C'est ça, t'appelles ça des pinces? Des clips métalliques. Il y en a 8 pour 99 centimes. Il y en a des dorés et des noirs. Je suppose qu'il y en a 4 et 4. Ouais, sont costauds en plus, c'est. Ouais, ils sont bien costauds. Les petites pinces. On voit bien, je sais pas si on voit bien. Voilà, 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 voilà. J'arrête pas avec les voilà, c'est dingue. Hein. J'ai repris aussi des petits. Je les ai enfin trouvés parce que la dernière fois j'ai acheté le pistolet mais j'avais pas de petits bâtons de colle. Et bah je les ai enfin trouvés. Ouais. Donc voilà, des petits bâtons de colle pour le pistolet à colle chaude. Et c'était 99 centimes et je sais pas combien il y en a dedans, c'est marqué où? 10. Il y en a 10. Pour un... Ouais, 1 euro. Alors j'ai trouvé ça excellent. À essayer pour voir si ça fonctionne. Un taille crayon électrique. On verra bien. Donc c'était 2,99€ le taille crayon. Ça fonctionne avec 4 piles. Ouais, des piles AA. AAA ou AA? AAA. Telle est la question. C'est marqué où? AA. Oui, des classiques quoi. Ouais, 4 piles. Quand même, hein. Oh. C'est de la merde. J'ai repris des enveloppes bulles parce que j'en ai quasiment plus. Donc il y en a 5 à l'intérieur pour 99 centimes. 1 euro les enveloppes bulles. Les 5 enveloppes bulles. Voilà. Pour mes petits bijoux. Et le petit dernier, eh bien j'en avais déjà un, mais j'ai cassé le mien. J'ai cassé le clapet là-haut. Du coup, il m'en fallait un autre. À nouveau. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Couleur menthe, bien évidemment. Avec une jolie petite panthère dorée au milieu. Voilà. Et c'était 1,59€.
truc-là, c'est quoi? Comment ils appellent ça? Un porte-bloc A4. Un clipboard. Bound. L'accent pourri. Voilà, avec le... Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu peur à mes doigts. Ah, ça c'est pour l'accrocher? Non? Ça sert à quoi la petite languette là-haut? Ce petit machin-là, là. Et moi je suis blonde, hein, alors faut éclairer ma lanterne. Ça sert à quoi ce truc-là? C'est pour l'accrocher? Bon, je vois ça comme ça, non? Je sais pas. Bref, voilà, avec le petit clapet. Tu le vois? Non, on voit rien du tout. Hein. Et j'ai peur à mes doigts. Oh oui, c'est tout flou. Pourquoi c'est tout flou? Ma caméra, elle est en train de rendre l'âme, c'est hallucinant. Déjà que j'ai plus le retour caméra, je suis obligée de mettre un miroir derrière pour voir ce que je fais. C'est génial. Bref, du coup, on s'en fiche. Voilà, c'était le petit dernier. Et j'ai fait tout le tour. Oh non, j'ai aussi acheté un balai parce que le mien est cassé. Mais on a un balai, on s'en fout. Hein. Donc, voilà. Bah ouais, t'as bien vu, hein, ça casse pas trois pattes un canard. Hein. C'est vraiment... C'est pas génial, hein. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas. C'est comme partout. Voilà. Mais je suis super speed là. Faut que je balance tout. Faut que je me dépêche. La nuit tombe, après on va plus rien y voir. Donc, bah c'est tout. J'ai fait tout le tour. Alors voilà. Donc c'est l'heure de se quitter. Et puis bah je te dis à l'année prochaine. Bah oui, parce qu'il n'y aura pas d'autres vidéos. Oh l'avant. Non, la prochaine c'est au mois de janvier. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout. Donc bah dans tous les cas, j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu. Même si bah c'est... Voilà quoi, hein, on a compris. C'est tout. Je suis perdue là, je sais pas pourquoi je me suis perdue toute seule comme une conne. Donc on va couper court à cette vidéo, hein. Alors je te fais tout plein de gros poutous. Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Enfin la vidéo à l'action, non, ça sera pour l'année prochaine. Mais il y a une vidéo le vendredi qui arrive, dans tous les cas. Voilà, donc à très vite, dans tous les cas. Oh putain, mais je pars en cacahuète, laisse tomber. Bon allez, bisous, bye. Ha ha.